Bienvenue sur Malaikan, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de sexualité et ne pas n'importe quelle sexualité. Restez avec nous pour découvrir de quoi il s'agit. Donc voilà, aujourd'hui, le thème du jour, c'est la masturbation, autrement appelée sexualité solitaire. Nous allons essayer de voir un petit peu que dit la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des conséquences physiologiques, médicales Quels sont les risques pour les chrétiens qui pratiquent cela Nous allons essayer de le découvrir aujourd'hui, bien sûr, avec Mama Audrey. Oui Nadège, encore un sujet délicat. Bon, on va voir comment on va naviguer dans tout ça. Voilà, tout à fait. Et bien sûr, Mama Janine qui va nous donner le feedback sur le terrain. Oui Nadège, tout à fait. Et Magali, quelques points de définition pour tout comprendre fait. justement ce que c'est, parce mm -hmm. que ce n'est pas un sujet qui est, qui est souvent abordé. Tout à fait, madame. Et nous avons, Mama Audrey, aujourd'hui le plaisir d'avoir notre docteur, donc ah, le docteur oui. Damien. Merci en tout cas d'être avec nous. Toujours un plaisir. On ouais. va essayer de comprendre justement s'il y a des conséquences, si ça rend sourd, comme on dit, euh, la masturbation. <laughs> Exactement. Donc voilà, je disais en préambule que nous allons parler de sexualité solitaire. Que dit la parole de Dieu Est-ce que c'est un péché Beaucoup se posent la question. Restez avec nous pour entendre la réponse de ce, à cette question. Mais avant tout, on va passer à la rubrique de MAG. Alors Magali, déjà pour commencer, définition. Définition euh, du terme du jour, euh, Nadège. Eh bien, c'est une pratique sexuelle, la masturbation, qui consiste à provoquer sur soi-même ou sur un partenaire le plaisir sexuel par des contacts manuels. Alors cette attitude sociale euh, envers euh, l'auto-érotisme a beaucoup changé suivant les époques et suivant euh, les cultures. Par exemple, en Occident, euh, la masturbation a été particulièrement réprimée euh, du XVIIIe au e siècle. Et euh, pour les cultures qui ont été liées, par exemple, à la Parole de Dieu, à la Bible, eh bien, il s'agit d'une activité sexuelle considérée comme une déviance. Alors actuellement, la masturbation, moi j'ai lu des, pas mal de choses sur le sujet, c'est reconnu par la sexologie comme une activité sexuelle aussi normale euh, que les autres. Alors maintenant, euh, tout est accepté, euh, ouais. les, la, la société euh, a changé. Alors il faut savoir, Nadej, que la masturbation peut être euh, réalisée soit seule, parce que bon, c'est le, le cas le plus. Euh, courant, parce qu'en général, la masturbation est plutôt considérée comme une activité sexuelle auto-érotique, qui est réalisée en solitaire, comme tu l'as euh, dit tout à l'heure, mais ça aussi peut être réalisé euh, à plusieurs, à deux ou en groupe. Et là, on parle de masturbation euh, en groupe. Alors en Afrique, bien sûr, c'est une, euh, une pratique sexuelle qui, qui est décriée. En fait, la, la masturbation euh, rentre dans la catégorie des péchés de fornication, en tout cas c'est ce que j'ai lu, d'impudicité, tout comme les rapports sexuels avant le mariage ou hors mariage. On se base sur quoi Mama Audrey sur le verset dans 1 Corinthiens 6, entre les versets 9 et 10, où il est dit Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, etc. Il y a toute une liste de, de personnes pas recommandables qui sont listées. <laughs> et euh, on parle d'impudiques, donc les personnes qui pratiquent cette activité sexuelle sont décriés comme tels. Et j'ai lu également qu'on dit que les, ce sont les démons qui, généralement, sont responsables de certains cas de masturbation, oui, tout à fait, chronique en tout cas, euh, tout comme celui de la plupart des accoutumances ou des addictions. On dit bah, que quand on se masturbe sur une base régulière, eh c'est peut-être le démon de la masturbation. Et il y a des séances de délivrance qui mmh, sont oui. organisées oui. et les gens sont délivrés, d'autre part. Voilà. En tout cas, c'est condamné euh, dans la plupart des lectures que j'ai pu faire, au même titre que les relations sexuelles des couples mariés en dehors de, de la recherche de la procréation, parce que beaucoup de pasteurs se basent encore, Maman Audrey, sur euh, le vieux précepte traditionnel qui dit que mari et femme ne doivent avoir des rapports sexuels que dans la recherche et l'intention d'avoir des enfants, mmh. et surtout qu'un homme ne doit pas répondre son sperme en dehors de cet impératif. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver. Ça soulève pas mal de questions. On va, on va y répondre dans un petit moment oui. avec Mama Audrey. Mama janie justement, comment c'est perçu et comment c'est vécu à Kinshasa Bah Écoute Nadège, c'est une question qui, lorsque je l'ai abordée dans, dans mes réunions, ça a généré un grand silence, très très lourd. Donc ce silence laissait supposer beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, toujours est-il que j'ai rencontré, donc dans le cadre de, 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 cette, de, de cette réunion, une présidente d'association chrétienne. Qui s'occupent et qui accompagnent des femmes seules, des femmes d'un certain âge qui, qui savent que de toute façon elles ne vont plus se marier. Et donc elles vont avoir recours à cette pratique. Et ce qu'elle m'exprimait, me, ce qu c'est que ces femmes, elles, elles disent des choses vraiment très très réelles, très très concrètes, qui se passent dans leur corps lorsqu'elles ont recours à, à, cette, à cette pratique. Mm -hmm. C'est vraiment une, un, un plaisir, et elles savent que de toute façon, elles ne vont pas se marier. Donc comment, comment gérer toutes ces pulsions sexuelles, toutes ces, ces choses, si ce n'est dans le cadre de la masturbation mm -hmm. Elles expriment aussi un phénomène que lorsqu'elles ont un, du mal à s'endormir, maman. Après, elles ont recours à, à cette pratique et ça leur permet de trouver le sommeil. Donc mmh. c'est vraiment quelque chose qui pour elles est euh, euh, c'est important. C'est important la masturbation, elles ont vraiment euh, besoin de, 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 de réponses très très concrètes, mmh. parce que pour elles, c'est une solution en tant que chrétienne, célibataire d'avoir recours mmh. à cela. Il euh, y a aussi le cas de, de couples, de couples chrétiens mmh. donc, à faible libido, dont mmh. en l'occurrence l'homme a une faible libido, et qui va avoir recours... Euh, euh, à la masturbation pour se stimuler. Mmh. Et il euh, y a aussi le cas d'un couple que j'ai rencontré où, euh, là par contre, c'était vraiment un problème d'impuissance. Le mari mmh. était qualifié d'impuissant. Et, euh, et ça vraiment, ça posait un, un problème dans, dans ce couple. Parce que, puisque la femme, on arrive à, au point où elle se demande. Qu'est-ce qu'elle doit faire Est-ce qu'elle doit pas avoir recours au divorce La masturbation co Comment gérer comment, tout comment ça sûr. Et c'est un vrai problème et ça nécessite vraiment des de réponses très très concrètes. Bien sûr. Maman Audrey, on a, on a deux, euh, deux constats. Deux sons de cloche. Deux sons de cloche <laughs> complètement différents qui m'emmènent à poser cette question. Euh... Maman Audrey, pauvre Maman Audrey. <laughs> Mama Audrey. La question que tout le monde se pose, d'ailleurs, euh, nos téléspectateurs, pour certains, ont posé, ont posé la question sur Facebook directement pour savoir est-ce que la masturbation est est-ce que c'est un péché, est-ce que c'est une solution qu'on peut avoir dans certains cas euh, Que dit la parole ?– Donc, ce pas des questions vraiment euh, faciles, euh, du reste, Magali n'a pas cité de dictionnaire théologique. – Non, <laughs> c'est assez, assez privé. <laughs> assez euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un péché, puisque, aucune part dans la parole de Dieu, il est mentionné mm -hmm. le mot masturbation, péché, donc on ne pourrait pas prendre chez nous pour aller dire cela. Je pense que c'est une affaire très personnelle, entre le chrétien et le Seigneur. Bien sûr. On ne va pas parler des gens du monde ici, on va parler du chrétien et du Seigneur. C'est peut-être une habitude que quelqu'un a eue avant de connaître le Seigneur. Bien sûr. Et maintenant qu'il connaît le Seigneur, ben, il n'est pas conscient de la chose et il, maintenant il prend conscience. Je crois que bien souvent, on voit que des jeunes viennent confesser cela. Voilà. Oui. Ils viennent... Ce déficitement, il y a une gêne. Il y a, il y a une conviction de. Il y a une de... conviction, il y a une gêne. Euh, je ne parle pas de condamnation, le Seigneur ne nous condamne pas, mais il y a le fait même qu'il viennent en parler, c'est que quelque part. Il y a une culpabilité. Euh, voilà, il y a un sens. Il y a de le Seigneur en fait. les a, leur a parlé à ce sujet, mmh. ok. Et, et donc euh, ils viennent exprimer, et c'est bien qu'ils puissent en parler et qu'ils ne restent pas euh, euh, captifs là dedans et qu'ils ne cherchent pas les solutions. Euh, tout seul. Mm -hmm. Donc, qui vient d'en parler, je pense que le Seigneur les libère, mm -hmm. puisque pourquoi, je dirais, accro mm -hmm. euh, à quelque chose, que ce soit une addiction, mm -hmm. euh, alors que c'est la même chose pour la drogue, c'est la même chose pour autre chose, que mm -hmm. le Seigneur veut nous libérer. Ouais. Je ne veux pas dire demain que la drogue, c'est un péché. Mais c'est une habitude, c'est une faiblesse, ça mm -hmm. peut être une faiblesse, mm -hmm. comme dans le cas de, de, de ces dames qui mm -hmm. sont désespérées. Euh, bon, si c'est ça, le somnifère, comme je dis, c'est quelque chose de très. Personnel. Il se peut que dans cette maison, le Seigneur convainque une mm -hmm. et, et pas l'autre, je ne sais pas. Euh, C'est le Seigneur qui est. Le Saint-Esprit est là. Est le pour esprit pouvoir... qui voilà. est notre boussole, C'est ça. notre directeur de conscience, ouais. et il a son temps et il a ses priorités. Puisque mm -hmm. peut-être dans la vie d'une de ces femmes, il y a des choses bien plus graves. Mm -hmm qu'il a besoin de traiter avant ça, mm -hmm. alors que dans la vie de celle-là, c'est quelque chose qui est vraiment de l'esclavage mm -hmm. et qui devient une priorité. Visib Donc, euh... Visiblement, de ce que j'entends, il y a quelque chose à traiter de toute façon. Euh, mais, Maman Audrey, j'aimerais rebondir sur ce que Maman Janine disait par rapport à la sœur qui, qui s'en sert pour, pour dormir. Euh, docteur Damien, est-ce que quelque part, c'est médicalement un alors, substitut Oui, c'est quelque part normal, parce que euh, qu'est-ce que ça va générer dans le, dans le corps humain euh, il faut savoir que la masturbation, si vous allez jusqu'à l'orgasme, donc qui est euh, l'éjaculation chez l'homme ou chez la femme, qui existe chez la femme, euh, vous allez entraîner après l'orgasme, qui est donc ce, ce pic euh, de, de plaisir, après l'orgasme, vous allez entraîner une cascade de production d'hormones, et notamment une hormone qui va entraîner un relâchement musculaire, c'est pour ça qu'on se sent détendu. Et donc les muscles sont tout relâchés, vous êtes détendu et vous pouvez entrer dans le sommeil. Mais ce que j'aimerais quand même préciser, c'est que si cette dame-là a besoin, je dis bien besoin, d'avoir recours à la masturbation pour pouvoir atteindre le sommeil, c'est que probablement il y a quand même une source de stress ou il y a quand même une souffrance psychologique qui mmh. est là. Mmh. Je ne dis pas que la masturbation est une souffrance psychologique, bien sûr que non, mais il faudrait quand même explorer un peu plus loin. C'est ça. Euh, J'ai moi aussi une autre question par rapport justement à, à tous les, toutes les idées reçues concernant la masturbation. Que ça rend sourd, que ça rend bête, il enfin, y, y a pas mal d'idées de, de, reçues. Est-ce que c'est vrai euh, médicalement qu'il peut y avoir des conséquences mentales, mm -hmm. psychologiques, physiques Alors la réponse est très claire non. Là, il n'y a aucune répercussion physiologique sur le corps humain quand, euh, quand on pratique la masturbation. Ça ne rend pas sourd, ça ne rend pas stérile, ça ne, ça ne diminue pas non plus les érections. Contrairement à une idée reçue. Oui. Euh, et euh, en aucun cas, ça euh, rend euh, impuissant. Mm -hmm. et en, en, mais bien sûr, tout ça euh, a, a mis en considération que ça peut quand même générer, si c'est une compulsion, parce voilà. qu'il existe aussi des pathologies liées à cela, euh, c'est que quand vous avez la moindre contrariété, vous allez de façon Avoir recours. compulsive, hein, ça veut dire sans même vous en rendre compte. Mm -hmm. Le problème, c'est que. Dans certains cas de ces pathologies-là, parfois ces compulsions surviennent dans des lieux publics mmh. ouais, ouais. et euh, évidemment c'est réprimé par la loi. Bien sûr. Euh, et donc c'est Patients là, parce que j'aimerais les citer comme patients, mm -hmm. ils ont besoin d'un suivi médical, parce ça. que cet acte peut cacher d'autres souffrances mm -hmm. ou d'autres pathologies. Ben, justement, Mama Audrey, moi, j'aimerais revenir sur l'aspect des pensées, parce que certaines disent, ben voilà, c'est pour m'endormir, etc. Mais le, le problème avec cet acte-là, c'est que parfois il y a une, il y a une simulation mentale, euh, des images qui sont, euh, qui sont générées dans la pensée pour pouvoir arriver non, à. Se je ne veux pas dire, je ne veux pas dire euh, comment ça se passe, mais. Ce que je peux dire, par contre, ce qui me vient à l'esprit, c'est le, rom... le verset de, du livre de l'épître aux Romains où Paul dit :« Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Donc, on va inverser cela pour dire que si je fais quelque chose et je ne suis pas convaincu que cette chose est ok devant le Seigneur, donc et que j'ai une paix totale et que je suis clair avec le Seigneur, non, donc ça peut rimer à péché. Et de même, si quand euh, je fais l'action, que je ne suis pas en paix avec moi-même, euh, je me sens peut-être attristée, je me sens embarrassé, et que je, je, je poursuis et je maintiens et je continue dedans, c'est quelque part, ça souille ma propre conscience. Bien sûr. Ça souille ma propre conscience, mmh. et ça vient automatiquement déranger ma relation avec les Seigneurs. Et, et c'est ce qu'on peut aussi dire. Que si je suis bon, si c'est une masturbation occasionnelle, que ça arrive, bon, que c'est pas un style de vie, euh, je ne dis pas que que, que c'est bon, hein, mais je, je, il y a une comparaison entre les deux. Bien sûr. Mais si je situe un truc occasionnel et que je peux pas venir venir euh, euh, ce n'est pas un style de vie, je ne veux pas dire que le Seigneur ne veut pas me libérer. Mais le Seigneur, lui, si c'est un style de vie, c'est sûr qu'il veut me libérer. Amen. D'autant plus si je suis un chrétien. Amen. Et que ce ne devienne pas un, un truc où je dépends. Voilà. Euh, je ne sais pas comment dire ça, Damien, mmh. dans les termes euh, médicaux. qui conviennent. Ouais. Mais c'est sûr que euh, devant le Seigneur, je ne je suis, je suis pas appelée en tant que chrétienne à être accro, à être. Ad, euh, euh, – À être à, dépendant de, de, de quoi de, que ce de, soit. – De n'importe quoi. – Parce que la, la deuxième étape, c'est de comprendre maintenant, dans le cadre du couple, parce qu'on a cité avec Maman Janine, le cas de, du mari qui était impuissant, qui n'avait pas la possibilité de satisfaire sa femme, et sa femme et lui, bah, ils avaient recours à une pratique comme celle-ci. Est-ce que dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut considérer cette, cette pratique-là ben – Écoute, je pense qu'en couple, je ne vois pas de problème… Que le couple se stimule autrement, et, ou, manuellement ou autrement, s'il y a un problème. Euh, mais je ne vois pas que le divorce soit une solution. Et de toute façon, euh, y a, ce n'est pas une, une des exceptions dans le cas du divorce. Euh, mm -hmm. Tu vas divorcer si ton mari euh, n'arrive pas, fait ce qu'il faut. Euh, non, la Bible ne dit pas mm -hmm. ça. Hein. Et moi, bon, je pense qu'il y a des solutions. On peut crier au Seigneur, on peut, on peut chercher l'aide du Seigneur. mais... Entre-temps, ça ne nous empêche pas d'être affectueux, ça ne nous empêche pas de manifester de l'affection, de la tendresse, euh, euh, et même de se stimuler d'une certaine manière euh, mm -hmm. sexuellement. Ce voilà. pas un péché, en tous les ah, cas. C'est un couple. C'est dans ça. le cadre de l'intimité du couple. Voilà. Mm -hmm. euh, Docteur Damien veut peut-être ajouter quelque chose là-dessus. Moi, j'irai euh, peut-être même un peu... Un peu plus loin au niveau de la physiologie de, de la femme. Pour mmh. avoir un, un rapport sexuel, il faut que le, le vagin soit lubrifié. Mmh. Et cette lubrification ne se fait pas tout le temps spontanément. Mmh. Il faut parfois stimuler, sinon euh, il y aura des douleurs, des disparunies, ce qu'on appelle en, en médecine. Mmh. Ce sont des douleurs lors des rapports, c'est-à-dire sur vagin sec, il mmh. y aura des douleurs chez la femme. Et ça, ça va générer, on va dire, une frustration dans l'acte sexuel, voire même un refus et même une frigidité à terme. Mmh. Donc euh, justement, pour lubrifier le, le vagin et pour que le rapport se passe bien, parfois il faut avoir parfois recours à une certaine stimulation et euh, quelle que soit la zone érogène. Mm -hmm. bon, par rapport à la, la question de l'addiction, je reviens à cette, à cette question parce que est-ce que celui qui le pratique euh, soit pour euh, compenser parce que il est insatisfait sexuellement, quel que mm -hmm. soit son cadre, hein, seul ou euh, marié, est-ce qu'il y a des recours euh, médicaux? pour pouvoir l'aider à sortir de cette addiction Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir identifier le problème sous-jacent. Ça veut dire que si jamais euh, c'est une pratique euh, compulsive, il faut aller chercher ce qu'on appelle un TOC, un, un trouble obsessionnel compulsif, ou euh, d'autres pathologies. Ou bien même rechercher une certaine souffrance psychologique. Ça peut être lié à une dépression, ça peut être lié à d'autres manifestations psychologiques. Donc c'est le problème sous-jacent qu'il faudra traiter, pas l'acte en lui-même, mm -hmm. euh, parce que l'acte n'est qu'une conséquence. Mm -hmm. euh, mais il faudra aussi identifier aussi les souffrances auxquelles la personne a été, on va dire, soumise. A priori. C'est-à-dire que si c'est un, un, un homme qui a subi des attouchements étant petit ou une femme oui. qui a subi des attouchements étant petite, cela peut générer, on va dire, des des comportements sexuels euh, déviants ou, euh, ou même juste résultants de cette souffrance initiale. Et donc cela, il faut aller le chercher. Et ne surtout pas mettre une étiquette sur quelqu'un, si vous vous masturbez, vous êtes des pervers. Non. Mm -hmm. euh, il faut bien sûr comprendre le patient, comprendre ce qu'il a vécu et ce qu'il a amené à cela. Mm -hmm. Après, malheureusement, la stimulation, on va dire mentale, quand elle est faite seule, ben, il peut y avoir une stimulation mentale, mais pas que. Mm -hmm. euh, on peut malheureusement, si la stimulation n'est pas assez forte, parfois avoir recours à des substituts qui nous mènent directement voilà. à la pornographie. Mmh. Et en fait, la, la définition d'une addiction, c'est d'avoir recours à une substance, donc dans, le, dans, le, dans le cas présent la masturbation, mmh. de façon répétée et ayant besoin d'augmenter les doses voilà. pour atteindre le même plaisir. Et c'est bien ça le problème de l'addiction. C'est-à-dire que si vous prenez... On est, exemple, on est de moins en moins satisfait et il, il, faut, faut, il faut augmenter euh, la dose. Et l'addiction, la dans tous les cas, c'est mauvais. Mm -hmm. Donc si ce n'est pas une addiction, physiologiquement, ça ne fera rien. Mm -hmm. Mais si ça devient une addiction, cela est soit générateur, soit répondant à une souffrance psychologique. Mm -hmm. Et ça, ça c'est vraiment à traiter, ou au moins en parler. Ce n'est pas forcément un traitement médicamenteux. Bien sûr. Ça peut être simplement une thérapie, mm -hmm. ou au moins identifier d'où sort cette souffrance. Mm -hmm. Après, il y, a, il y a autre chose que j'aurais aimé juste préciser. Oui, bien sûr. Euh, c'est euh, parce qu'il y a, j'ai eu malheureusement un de, un de mes patients qui est chrétien, qui se mm -hmm. sentait très très mal, euh, parce qu'il a eu au fait un, un rêve érotique, voilà. et il a éjaculé pendant la nuit. Et il s'est dit euh, ben voilà, j'ai commis une faute grave. Mm -hmm. euh, et ça, il faut bien préciser que c'est un, un, une, une chose tout à fait physiologique et naturelle. Ah. L'homme. Produit des spermatozoïdes en continu. Mm -hmm. Ce n'est pas comme la femme qui produit, ou en tout cas, pro, euh, on va dire, un va ovuler à un ouais. certain moment du cycle. L'homme produit des spermatozoïdes tout le temps. Et malheureusement, notre capacité à stocker les spermatozoïdes est limitée. Mm -hmm. Et donc, au bout d'un certain temps, le, le stock se vidange tout seul. Mm -hmm. Et donc, comment va faire le corps humain ben, Il va générer, dans un rêve, certaines euh, images, une, stimulation, une mentale. stimulation mentale qui va faire qu'il y a une éjaculation spontanée d'un seul coup qui va euh, être émise mm -hmm. et donc ce sont ce qu'on appelle les rêves érotiques ou les mm -hmm. wet dreams mm -hmm. en anglais euh, et ça en aucun cas c'est une visitation de démons mm -hmm. c'est normal le corps voilà. est fait comme est ça c'était voilà que je pense que c est que exactement ce les c'est hein, les, les femmes de nuit c'est mais c est c est ça. on ne, on nuit, ne peut pas ça. considérer l'être humain comme naturel hein, comme étant euh, ben à ce point faillible qu'il ait besoin parce que c'est un besoin. Pour pouvoir avoir des spermatozoïdes en bonne forme, mm -hmm. il faut qu'ils soient renouvelés. Donc, c'est un besoin physiologique d'éliminer les spermatozoïdes qui mm -hmm. sont âgés ou qui pourraient être porteurs de mutations. Moi, j'aimerais revenir sur l'aspect de la visitation de démons, parce que ça, c'est vraiment une croyance euh, qui a, qui a pignon sur rue euh, en, en Afrique. Est-ce que justement, Mama Audrey, est-ce que ces cas-là existent Est-ce que c'est que de, du naturel ou il y, a, il y a également un volet spirituel à prendre en compte Non, moi, je crois que quand on connaît le Seigneur, euh, les démons ne nous visitent pas, euh, ni les femmes de nuit ou je ne sais trop quoi, comme un galérien là. Euh, non, ça ne nous visite pas quand on connaît le Seigneur, sauf si on s'expose et qu'on s'ouvre. À certaines activités euh, sexuelles ou à certaines activités qui sont malsaines. Mmh. Mais moi, ce que j'aimerais revenir, c'est deux choses. Le docteur a parlé de la stimulation de la femme. C'est ça. Pour qu'elle ait un plaisir sexuel. Mmh. Mais il faut pas oublier, dans le programme précédent, on a vu qu'en Afrique, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a pas de stimulation il n'y a pas de lubrification. Elle n'est pas préparée. Elle n'est pas préparée et donc c'est probablement des relations très, très douloureuses, mm -hmm. euh, plus d'une fois, qui emmènent à ce que la femme ne veut pas ces relations. Mm -hmm. Exactement. Euh, maintenant, il y a aussi le cas, euh, donc messieurs, euh, à noter que votre femme a besoin de lubrifier hein, voilà. et que voilà. c'est important euh, que vous puissiez prendre la le temps voilà. de la préparer. C'est de l'affection, c'est de, la, de la considération. Voilà, la tendresse. Voilà. voilà. Maintenant, il y a aussi le cas, euh, je ne sais pas si c'est dans l'Afrique, où la femme euh, refuse son mari sur suffisamment longtemps. Mm -hmm. Et comme Nanine a dit, il y a ce stock, ce fameux stock qui Bien se sûr. fait. Bien sûr, et il est frustré aussi. Et parfois, le mari a recours à la masturbation. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs cas de figure où on ne peut pas dire que euh, c'est uniquement technique ou uniquement ceci ou uniquement cela. Bien sûr. Mais il faut aller au fond des choses. Et comme disait Damien, dans beaucoup de cas, mm -hmm. il se peut que ce soit lié à un problème, et qu'il faut en parler. Mm -hmm. Et il ne faut pas juste se dire ah ben c'est normal, c'est comme ça, je suis comme ça, je suis né comme ça, voilà. j'ai eu comme ça. Mais ça emmène probablement aller au fond des choses pour guérir un mal, mm -hmm. pour guérir une situation, euh, quelque chose de vécu euh, qui a marqué la personne. Mm -hmm. Et bon, euh, je pense que voilà la clé, la clé là de, de ce que j'entends c'est surtout la communication c'est d'en parler que ce soit le jeune qui lutte avec euh, ses rêves érotiques ou euh, un acte qu'il commet euh, de manière régulière ou pas. Euh, dans le couple, quand il y a justement euh, insatisfaction d'un côté ou de l'autre, quel que soit le contexte, moi, le mot-clé que j'entends, Mama Audrey, c'est la communication, finalement. Il n'y a pas vraiment eu de communication jusque-là jusque euh, concernant ce sujet. – Bon, c'est vrai que les gens ne peuvent pas librement communiquer cela à n'importe qui. – Voilà. – Et ce n'est pas toujours que les gens avec qui on communique gardent le secret. – Voilà. Euh, – Et la confidentialité… Ça, des choses qu'on leur dit. C'est vrai. Euh, donc il faut faire attention à qui on le dit mm -hmm. et dans quelles circonstances on le dit. Tout à fait. Euh, c'est important, puisque sinon, euh, ça peut détruire notre vie. Puisque mm -hmm. si les gens se mettent à parler euh, de nous librement, euh, je ne crois pas que c'est quelque chose euh, que les gens veulent. Mm -hmm. Mais seulement, je crois que c'est important de. Si ça gêne, si je suis un jeune et que ça me gêne, euh, et que j'ai confiance. À voilà. mon pasteur, où j'ai confiance en quelqu'un, mais il faut que je m'assure que c'est quelque chose de confiance, mmh. euh, que ça ne va pas être l'objet du jour, sur l'agenda du jour. Mmh. Et si je suis une femme, c'est la même chose. Euh... Écoute, je ne sais pas, il y a des problèmes dans le couple, il y a tellement de, de problèmes, il y a tellement de situations à qui en parler. Et justement, c'est encore un sujet délicat. Mmh. Euh, on sait que malheureusement dans les églises, moi je sais que j'ai eu des cas qui m'ont dit qu'ils ont parlé de, de quelque chose à leur pasteur, et le dimanche d'ensuite, c'était l'objet de la prédication. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça dans ma oui. Janine, là, ça, euh, oui, oui. en plusieurs oui. occasions, oui. et ça, la fait, euh, ça, ça les arrête Bien dans sûr. la communication. Bien Mais heureusement, de, 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 déjà de savoir que ce n'est pas quelque chose d'absolument normal. D'avoir recours à la masturbation euh, pour une, en tant que solution, ça. comme euh, le docteur a expliqué. Et je crois aussi euh, que tu parlais, c'est ça la troisième chose que je voulais dire, j'ai entendu parler que certaines personnes qui souffrent de certaines conditions, ça affecte leur masculinité et ça les empêche, si tu veux, euh, d'avoir des réactions normales en tant que mari. Mm -hmm. Donc si ça, c'est le cas. Comment est-ce que je peux même divorcer de mon mari si c'est un cas médical Exactement. Alors donc, encore une fois, mm -hmm. euh, la solution manuelle pas. me semble être voilà. Euh, voilà. un peu l'unique. Mais je pense que de savoir déjà qu'il y a des solutions, voilà. que si je suis gênée par cela et que ça devient trop fréquent, que... Je suis un chrétien et que je peux en parler. Ça. Mais ils peuvent écrire aux frère Mickey, ils peuvent voilà. nous écrire à nous, ils mm -hmm. peuvent, s'y si sont gênés, garçons, c'est pas grave. Il y a des gens à qui on peut le transmettre, qui peut, qui peut vraiment les, les aider, aider dans voilà. la confidentialité. Exactement. Euh, qui peuvent parler à leur médecin. Mm -hmm. euh, je, je sais qu'en prépare un programme, euh, Maman Jarny nous disait qu'ils avaient pas à le médecin, mmh. qu'ils disaient oui. que ce n'était pas une bonne chose et qu'il fallait qu'ils aient fait l'exercice. Voilà, ils disaient en fait qu'il fallait, fallait parler là-dessus, il fallait communiquer bien entendu là-dessus et il y avait des voies de, il y avait des solutions pour lutter contre la tentation de, de, de cette pratique. Mmh. C'était notamment le recours au sport. Mmh. Le recours Alors, au sport. Et... C'est vrai que le, le recours au sport est, peut générer le même plaisir, hein, euh, mais bon, c'est déjà des sports très extrêmes. Mais il y a aussi l'inverse, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement addicts au sport qu'ils n'ont plus euh, de, de plaisir sexuel avec leur épouse leur femme, mmh. et que justement, ça génère des frustrations dans le couple. Donc, mmh. tout, le, le but, c'est toujours – Le dosage. – Le dosage. Le bon dosage. Et c'est vrai que euh, pour moi, euh, comme, comme tu disais, si, si l'homme euh, a des relations avec sa femme sans l'avoir préparée, pour moi c'est une forme de maltraitance. Mm. Euh, il faut bien faire comprendre ouais. ça aux hommes. – Vous m'entendez à salut. Bon, – Ah oui, c'est très important, ça va générer des, des souffrances et des blessures chez la femme. Et on mm. est censé prendre soin de notre femme. Et, et même de, de, traiter, de la traiter mm. comme notre propre chair. Mm. Donc euh, je ne pense pas qu'on voudrait se faire du mal. Bien sûr. Donc euh, forcément, il faut euh, apprêter la femme. Mm. Et euh, bien sûr, tout, tout réside dans qu'est-ce qu'on en fait. Euh, si effectivement on en fait un, un usage déviant, mm -hmm. c'est déviant. Mm -hmm. Si on en fait un usage sain, bah ça c'est dans l'intimité du couple. Dans le couple. Je veux bien rebondir, si c'est possible, sur ce que Damien a dit, dans le cas des jeunes euh, qui ont des wet dreams en anglais, euh, je ne sais pas si rêves mouillés en français, au moins que tout de suite on mette les choses bien au clair. Euh, que les parents sachent que les rêves mouillés de la petite Adolescent, ce n'est pas un démon. Et que le jeune ne soit pas embarrassé s'il se réveille et que le drap est mouillé et qu'il ne sait pas quoi faire, qu'il puisse en parler dans toute liberté. Il n'y a pas de honte à ça. C'est quelque chose du corps, c'est naturel. Exactement. Donc, euh, au moins qu'on puisse mettre cela bien au clair et que les parents dédramatisent la chose et qu'on n'a pas cherché à chasser un démon chez ce pauvre jeune euh, qui ne va jamais en parler. Voilà. Amen, Exactement. Amen. Merci en tout cas, Maman Audrey. Le, nous avons malheureusement très peu de temps pour, pour conclure et nous allons passer au mot de la fin. Quand on a dit, c'est un sujet délicat, euh, mais je pense qu'on a abordé le sujet d'une manière assez concrète et que les gens peuvent se situer là où ils sont, euh, sur une base individuelle, comment est-ce qu'ils veulent prendre la question avec le Seigneur, s'ils sont chrétiens, euh, il y a la libération, euh, c'est pas nécessaire de rester accro ou avoir une addiction. Euh, euh, C'est pas nécessaire de garder cela euh, comme un, son petit secret et vivre une, un esclavage toute notre vie. Euh, ça peut être quelque chose de naturel. Ça peut être des problèmes en couple qui doivent être résolus. Donc moi je crois que dans le Seigneur il n'y a rien qui est sous le tapis. Il y a rien qu'on a besoin d'avoir honte. On peut en parler librement et on peut trouver des solutions parce qu'il y a Toujours des solutions avec Jésus. Amen, amen, Maman Audrey. Merci en tout cas, bien sûr, Maman Janine et le Docteur Damien. Vraiment merci pour merci. la visite sur le, sur notre plateau. Bien sûr, Magali pour notre point de contexte. Nous vous invitons à rester bien sûr connectés sur Facebook et sur YouTube pour revoir des émissions si vous en avez raté quelques-unes. Et bien sûr, écrivez-nous, partagez vos témoignages et cela vraiment bénira l'équipe. En tout cas, je vous dis à très très bientôt pour un autre sujet. Bonjour. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaïka.